Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, comme promis lors du dernier live, je vous montre et je vous montre donc à présent la vidéo de notre dernier match du tombeau d'Osiris où on est tombé, alors là on ne le voit pas encore, ça va apparaître dans 30 secondes, contre la team de Dragocien, la team de Dragocien qui n'a évidemment pas les mêmes commandants que nous, car c'est un serveur beaucoup plus jeune, hein, comme vous le voyez, supérieur à peine à 140 jours. Ils ont perdu leur dernier match, on a gagné notre dernier match. J'ai mis un peu de temps avant la release, hein. J'attendais qu'il y ait un peu de calme au niveau des sorties et des events. D'ailleurs, pour la petite info et la petite histoire, on est en pleine maintenance, hein. Je vous montre cette vidéo pendant la maintenance, parce que je n'ai pas accès au serveur. C'est le bon moment, la maintenance 1.40.0.42, si je ne dis pas de bêtises, hein. Donc, le match commence, vous allez le voir, une grosse équipe en face de nous. Bien évidemment, on s'était bien préparé. Comme d'habitude, dès le début du match, je vais vous montrer les puissances qui sont en face. Alors, à quoi ça sert d'aller voir les puissances en face? C'est pour savoir combien vont devoir chez les T2A, hein, la team de Draco. Donc, combien, on le voit, hein, c'est lui, le leader dragocien. Combien vont devoir ils? Combien n'auront pas suffisamment de T5 pour faire toute la rencontre? Il faut estimer que pour faire toute la rencontre en T5, il faut au minimum, mais vraiment au grand minimum, plus de 90 millions de puissance. Donc là, je compte le nombre de joueurs. Beaucoup sont en dessous des 90 millions. Même à 90 millions, vous êtes tendu. Moi, je suis à 91 millions avant de récupérer mes troupes, la moitié de mes troupes qui sont mortes lors du KVK Heroic Anthem. On le voit, ils ont beaucoup de joueurs en dessous des 90 millions. Alors pour l'histoire, j'ai appris que tous leurs gros joueurs n'étaient pas là. Ce n'était pas leur team la plus puissante. C'est ce que l'un des joueurs, l'un d'entre vous qui est abonné d'ailleurs des T2A, m'a dit. Mais c'est bien la team de Draco et lui, il est bien là, Dracocien. Gros joueur, hein, bien évidemment, on ne le présente plus. Un gros streamer également. Donc on savait que ça allait être un match très tendu et on s'était bien préparé pour ça. Alors comme d'habitude, je vous fais un premier jump et on se retrouve au moment des premiers combats et des premières prises de bâtiments. Alors le patch n'était pas encore passé, hein, donc on n'avait pas encore les mises à jour du tombeau, on n'a pas les 8 téléportes au départ au lieu de 5, etc. Donc toutes ces optimisations du tombeau ne sont pas encore faites, on met 3 minutes à prendre un bâtiment la première fois, 3 minutes les fois suivantes, hein, c'est le dernier tombeau que je vous montrerai sous cette configuration-là. Vous le voyez, on a tout de suite lancé un rallye, on s'est mis en position, je suis comme d'habitude sur la Godi Lane, hein, la ligne de Godi. Donc j'ai des tâches bien précises qui changent selon nos adversaires, bien évidemment on s'adapte. Et notre rallye est tout de suite parti, alors on a lancé un rallye, vous le voyez là qui avance. Et petit problème au lancement, le joueur qui a lancé le rallye n'était pas immédiatement sur Discord. Donc nous on a eu un problème au démarrage, vous le voyez là il avance, il aurait dû disband son rallye pour qu'on aille sur leur sanctuaire, leur hôtel du ciel au nord, qu'on aille leur prendre. Et il n'a pas disband le rallye, il n'a pas eu l'info. Du coup, on va aller taper leur obélisque. C'est une petite erreur de départ qui peut coûter cher dès les premières minutes. Là, sauf si on arrive à prendre leur obélisque, ce qui est très rare, hein. Sur des grosses équipes comme ça, il y a très peu de chances qu'on arrive à prendre leur obélisque. Ils sont déjà tous positionnés, ils ont pris leur bâtiment. Alors au départ, on a été un peu plus rapide qu'eux, vous voyez, plus ils se téléportent déjà. On a été un peu plus rapide qu'eux pour prendre les bâtiments. Vous le voyez au score, on a un petit peu d'avance et on pop les points en avance. Vous le voyez, hein, très clairement, ça va avancer un peu plus vite pour nous. Donc l'écart est très faible, mais vous voyez un petit peu moins de 100 points à présent. Mais ça montre qu'on a pris les bâtiments un tout petit peu avant eux. Et pourtant, ce n'est pas notre spécialité, la rapidité sur la prise de bâtiment. On a vu des alliances qui étaient extrêmement rapides. Mais en tout cas, on est bien positionné. On claque un petit coup d'aide divine pour avoir plus de TP dès le départ. Ce que je vous disais, 5 et non 8 encore, hein, après la maintenance, ça sera 8. Et on prend nos bâtiments, on se met en position. Et vous le voyez déjà, eux font plusieurs erreurs. Regardez, leur sanctuaire de la guerre, il n'est pas pris alors qu'il est ouvert. Pourquoi ne rentre-t-il pas dedans? Ils perdent quelques secondes. Et pareil au sud, leur sanctuaire de la vie, il est toujours blanc. Il n'est toujours pas pris. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il n'est toujours pas pris. Donc là, ils perdent du temps, ils perdent des points. Ça, c'est vraiment une erreur. Et nous, de l'autre côté, l'erreur qu'on fait, c'est pourquoi n'y a-t-il personne de chez nous sur ce bâtiment-là? Donc autant eux font une erreur, autant nous aussi on fait une erreur.
on devrait être devant ce bâtiment à le prendre. Donc vous le voyez, c'est un début de partie qui est différent. Donc notre allié hein, qui a tapé l'obélisque, hein, évidemment, a perdu. Vous le voyez, on voit les troupes qui rentrent. C'est un début qui est légèrement différent à d'habitude puisque c'est beaucoup plus calme. À ce stade-là du jeu, normalement, on a déjà des grosses phases de combat. Là, vous le voyez, c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas encore d'affrontement. Leur sanctuaire de la vie est toujours pas prêt au sud. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Ils déconnent grave tant de leur côté que d'une autre. Hein. Nous-mêmes, on devrait déjà l'avoir pris. On se positionne tranquillement. Eux aussi, ils se positionnent. Ça va être un combat de bloc sur ma ligne, en tout cas sur cette zone-là. Mais ça reste un départ très très calme. On a connu vraiment beaucoup plus tendu au départ. Donc je vous fais un autre jump et on se retrouve cette fois sur les premières zones de combat. Donc on a attaqué leur sanctuaire de la guerre au départ. On a réussi à le prendre. Vous le voyez, enfin ils ont pris leur sanctuaire de la vie et ils attaquent même notre hôtel du ciel. Nous, on tient, on fait le ménage et on va se positionner puisqu'on a réussi à prendre leur hôtel, leur sanctuaire de la guerre. On va aller se positionner au niveau du pop du tombeau qui arrive. 3 minutes 8, donc on n'est ni en avance ni en retard, on est bien et on le voit de leur côté, il n'y a personne. Nous, on commence à arriver en force, eux, il n'y a strictement personne. Alors le sanctuaire de la guerre, on le tient et pourtant on défend avec un Attila, hein. C'est pas la meilleure des défenses, mais en tout cas, elle tient. On a quand même l'avantage d'avoir Zenobia, ils ne l'ont pas, je vous le rappelle, donc en défense, c'est un très gros avantage pour nous, même si ça fait pas tout. Ça aide pas mal en défense de bâtiment, c'est plutôt très solide. Encore une fois, après le patch, on ne pourra plus combattre des serveurs aussi jeunes. C'était la dernière fois, normalement, hein, sauf bug, que ça arrivait. Donc on le voit, on est à 2,25 du pop du tombeau et on est quasi seul au centre. Il n'y a pas d'assaillant de leur côté, c'est le calme plat. On a réussi, regardez, à leur prendre leur hôtel, leur sanctuaire de la vie, leur sanctuaire de la guerre, leur hôtel du ciel. On a presque toute la ligne chez eux en bâtiment. Donc, ça va commencer à leur faire très mal, sachant qu'on est en position de force également sur le tombeau. Et vous le voyez, on a déjà 1000 points d'avance alors que la partie vient à peine de commencer. Le premier tombeau est même pas tombé, posé, ni tombé d'ailleurs, ni pris. Donc, on est vraiment détente et il n'y a personne pour venir nous disputer ce tombeau à 1 minute 45 du pop. Sauf s'ils arrivent vraiment en force de ouf, c'est trop tard pour eux pour espérer pouvoir le prendre. Ça peut arriver, ils peuvent arriver avec une grosse vague tous en même temps et s'être rassemblés beaucoup plus bas. Mais là, ce n'est pas le cas. Si vous voyez, je vous le montre plus bas, il n'y a personne qui arrive. Ils vont vraiment arriver trop tard, 1,25, il n'y a aucune chance qu'ils le prennent. De l'autre côté, regardez, hein, on continue d'avancer et de tenir les bâtiments, c'est crucial, c'est beaucoup de points de perdus pour eux. Donc sans surprise, on va prendre ce premier tombeau à 1 minute 10, on va aller le poser. Évidemment, regardez, on est en difficulté là, puisque comme ils ne vont pas sur le tombeau, ils arrivent à être en force sur leur bâtiment pour tenter de les récupérer. Mais en attendant, ça tient et en attendant, on fait des points. L'écart se creuse, on est à 1400 points d'avance à présent. Donc là, avant de vous faire une nouvelle ellipse, vous le voyez, hein, on abandonne le centre puisqu'il n'y a personne. Et on va retourner aller aider pour tenir nos bâtiments. Nouvelle ellipse, on se retrouve un petit peu plus loin dans cette partie. On a posé, comme je vous l'ai dit, le premier tombeau. On se retrouve à 3 minutes 40 du pop du deuxième. Et regardez, en termes de bâtiments, on a réussi à prendre très brièvement leur obélisque au sud, mais on a leur sanctuaire de la vie. Leur hôtel au-dessus, on a leur sanctuaire de la guerre qu'on est en train de rusher comme des oufs là. Et il n'y a que leur hôtel tout au nord qu'on n'a plus, leur hôtel du ciel si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ils viennent de reprendre leur autre hôtel juste au-dessus du sanctuaire de la vie hein, au sud. Mais en tout cas, ils sont en très mauvaise posture au niveau des bâtiments. En plus là, on a beaucoup de points donc on claque un tambour de guerre. Apparemment, vous le voyez, hein, ils ne claquent pas de skill car... En plus de ne pas avoir leur meilleur team, ils ont oublié, mais ça c'est des erreurs de dingue pour des teams aussi expérimentés, hein, ils ont oublié apparemment d'enregistrer les skills, donc ils n'ont aucun skill, c'est pour ça qu'ils n'en claquent pas. Hein. Vous le voyez durant toute la partie, vous pouvez regarder de nouveau la vidéo, ils ne claqueront aucun skill de la partie, c'est tout simplement car ils n'en avaient pas choisi. Donc là, à ce niveau-là du jeu, c'est des erreurs qu'on ne peut pas se permettre de faire. C'est en tout cas, on le paye cash.
Vous le voyez, hein, on a bientôt 9000 points d'avance sur eux. On n'est même pas à la mi-partie, à la mi-parcours. Et le deuxième tombeau va pop dans 2 minutes 17 secondes très précisément. Donc nous, on a réussi à prendre leur sanctuaire de la guerre. On fait le ménage, hein, il n'y a plus personne. Et on se dirige dessus. Donc on se doute qu'ils vont être là pour prendre le tombeau. Car il y a beaucoup moins de monde par rapport à tout à l'heure sur le sanctuaire de la guerre. Donc avant même d'y envoyer mes troupes, je sais pertinemment qu'il va y avoir plus de bastons au centre pour ce tombeau. De toute façon, avec cet écart, avec 10 000 points d'écart, 16 289 à 6 476, forcément avec cet écart, ils n'ont pas le choix. Ils doivent impérativement récupérer ce tombeau. Et donc comme je vous le disais, regardez, on le voit. Ils font la technique de la balle, hein, la murder ball, comme on dit. Ils se renissent, ils se mettent en pack et ils nous attendent devant notre tombeau. Alors moi, je finissais de défendre le sanctuaire de la guerre à ce niveau-là. En tout cas, le tombeau, ils vont le jouer. Ils pop dans 1 minute 20. Pour le coup, c'est nous hein, qui étions un petit peu en retard, hein, contrairement au premier tombeau, surtout... Surtout moi qui étais un petit peu en retard pour le coup. Mes troupes sont en train de finir de défendre. Ce tombeau, il est stratégique, mais de tenir les bâtiments aussi stratégique. Et vous le voyez, on n'est plus qu'à une minute tout rond. Et il y a deux pôles de bataille. La première est au sud, plus bas que le tombeau. La deuxième est au nord, juste derrière le tombeau. Donc ils sont mieux positionnés que nous. Et cette fois, ils peuvent le récupérer. Et s'ils le récupèrent et qu'ils le posent, ils vont revenir à moins de 7000 points. Ils vont clairement revenir dans la partie. Donc il faut qu'on fasse bien attention. Si on veut tuer le match, il faut prendre ce tombeau. En termes de bâtiment, on est extrêmement bien. Regardez, on a leur sanctuaire de la guerre. On a leur sanctuaire de la vie. On a leur hôtel du ciel au nord. On a quasiment toute leur ligne là. Il ne leur reste plus qu'un seul hôtel. On est très bien. Un seul hôtel, leurs trois avant-postes et leurs deux obélisques. Donc en termes de prise de points, on est vraiment extrêmement bien. Le tombeau pop dans 10 secondes. Qui va le prendre? On claque les skills, hein, nous bien évidemment, puisqu'on les a. On va voir qui va attraper le tombeau. Alors regardez, je vous le disais qu'ils ont oublié d'inscrire les skills. Et pourtant, ils en ont fait quelques-uns, puisqu'ils en ont claqué là. Donc finalement, ils les ont peut-être pas inscrits tous. C'est peut-être ça. Exactement l'info, j'avais pas regardé, hein. Je le vois en même temps que vous, le rush, peut-être qu'ils les avaient pas tous inscrits, en tout cas, et ils ont charge lancée aussi, donc c'est étonnant, puisque l'info, ils me l'ont donné aussi, comme le fait qu'ils n'ont pas inscrit leur équipe A, alors là, j'ai un petit doute en revoyant les rushs, je vous en fais part en live, hein. Je pourrais le remonter et l'enlever ce commentaire, mais non, puisque je préfère vous le laisser et le partager avec vous, c'est étonnant parce que les joueurs qui me l'ont dit sont des joueurs très fiables. C'est peut-être pas les bons skills tout simplement qui ont été inscrits. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous connaissez les T2A en commentaire ou si vous en êtes. Est-ce que c'est pas les bons skills que vous avez inscrits ou est-ce que simplement c'était du mytho? Je pense pas. Moi, je pense que c'était pas les bons skills. Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas les skills inscrits, mais c'était pas les bons skills. En tout cas, on le voit sur. On reprend le fil du combat. On le voit, ils viennent d'attraper le tombeau et ils se dirigent pour aller le poser. Donc, je vous l'avais dit, hein, ils ont vraiment joué le tombeau sur ce deuxième. Ils n'ont pas le choix. 11 000 points d'écart, 31 minutes et 22 secondes. Il n'y a pas le choix. Là, il faut poser. Alors, on claque un embourbement, évidemment, parce que c'est pas parce qu'ils l'ont pris qu'on va lâcher l'affaire. On a beau avoir tous les bâtiments et la partie semble bien avancée pour nous. On va pas leur laisser ce tombeau partir comme ça en tout cas. Je vous fais une nouvelle ellipse. On se trouve un tout petit peu plus loin dans la prise de ce deuxième tombeau. Malheureusement, on n'a pas réussi à récupérer ce deuxième tombeau et ils l'ont posé. Mais malgré tout, hein, avec tous les bâtiments qu'on a chez eux, vous le voyez, ils les ont quand même récupérés, mais on les re-récupère. On est toujours à 10 000, 11 000 points d'écart quasiment. J'ai décidé de vous montrer pour une fois toute la fin, les 20 dernières minutes en accéléré. On est à 400% de vitesse, hein, donc en x4 hein, pour ceux que ça intéresse. Et on se positionne pour l'apparition dans 3 minutes, et un peu ça passe tellement vite, dans un peu plus de 3 minutes du troisième tombeau. Et là, évidemment, on ne va pas se faire avoir deux fois. On a pêché par orgueil sur le deuxième tombeau. On s'est dit...
On va clairement les déboîter et on va le prendre sans forcer. Ça n'a pas été le cas. Ils nous ont vraiment surpris. Donc là, cette fois, on est au rendez-vous, eux aussi. Et ils sont un petit peu en retard, hein, d'ailleurs. Donc vous le voyez, on est bien devant. On les a avancés. On les bloque un petit peu plus bas. Ils n'arrivent pas à passer pour le moment le premier mur. Sachant qu'après le premier mur, il y a une Murder Ball. Et après la Murder Ball, il y a évidemment les joueurs ou le joueur, hein, en l'occurrence, qui doit ramasser. Il y en a même deux, mais il n'y en a plus qu'un. Qui doit ramasser ce tombeau. Le pop est dans 40 secondes, donc forcément, il passe à travers, hein, le mur, hein, pour directement aller chercher le ou les joueurs qui doivent ramasser ce tombeau. Alors, qui va l'avoir en premier? Regardons, il est neutre, il est neutre. Il est pour eux d'abord, mais ça ne va pas durer. Vous allez le voir, on va le tabasser immédiatement, ce porteur. Ils viennent de le lâcher, donc on attend et on l'a récupéré et on commence à faire notre effort pour le ramener. On le voit, on a bien fait le ménage. On était plus nombreux qu'eux et plus en force que sur cette zone-là. Donc on fait bien le ménage et il n'y a plus beaucoup de troupes. Il aurait fallu que je dézoome pour qu'on voit les points rouges et les points bleus. Mais ça se voit là quand même à l'œil. Vous voyez, c'est fini. On va le poser. Rien ne va nous arrêter. Et de l'autre côté, regardez les bâtiments. On attaque leur obélisque et on continue d'avoir leur sanctuaire de la guerre. Donc là, à ce stade-là, vous pensez bien, il reste moins de 15 minutes de jeu. On a plus de 13 000 points d'avance, 14 000 points d'avance. Donc, avec le tombeau qui va être posé, on va monter à plus de 17 000. Il n'y a aucune chance qu'il revienne, aussi fort serait-il en récolte. Sachant, n'oubliez pas, hein, la récolte va être patchée aussi. Elle va toujours rapporter autant de points pour les joueurs, des points individuels, mais moins de points de score pour le match. On ne pourra plus, ou plus difficilement du moins, gagner grâce à la récolte. C'est fini cette stratégie. Donc on continue de faire forcing sur les bâtiments. Sur notre côté, regardez, on a pris le sanctuaire de la guerre et l'hôtel au nord. Ça bastonne sec au niveau du sanctuaire. On a pris leur hôtel au sud et ça clignote sur leur sanctuaire de la vie. Est-ce qu'on va réussir à prendre la ligne et leurs 4 bâtiments? On n'a pas réussi à le faire pour le moment depuis le début de la partie. Et on a ce stade-là, il reste 10 minutes. Donc on se lâche, hein, je peux bien vous dire, on bourrine là à ce stade. Quand on a 15 000 points d'avance et qu'il reste moins de 10 minutes, hein, on bourrine comme des porcs. On tient le tombeau puisqu'on ne veut pas qu'il repop. Donc on ne le pose pas, on le garde, c'est le troisième, on fait de la capture de tombeau. On pourrait le poser, hein, mais on préfère jouer la sécurité et ne plus se disperser au centre. Sachant qu'on n'a plus qu'à gérer notre avance. Le but n'est pas de faire un écart énorme avec eux. Le but est de contenir notre avance. Donc on est détente de ce côté-là. On continue de se battre. Et vous allez le voir, comme d'habitude, quand on gagne autant avec autant d'écart à 8 minutes de la fin, qu'est-ce qu'on fait? Et bien tout simplement, on va aller attaquer leur ville. Vous le voyez, on se lance sur leur obélisque. On se lance sur leur ville. Et on va aller d'ailleurs saluer chaleureusement, hein, notre ami Dragocien, vous allez le voir, Gaudi va lancer un rallye pour qu'on aille le saluer avant cette fin de partie. Il reste moins de 7 minutes à présent. La partie, elle est pliée, il n'y a plus aucun mystère. Donc, on peut se faire plaisir. Ils ont réussi néanmoins à récupérer. Ils n'ont rien lâché, hein. Ils ont réussi à récupérer leur sanctuaire de la guerre. Mais regardez, ils ont perdu leur obélisque au sud. Il est entouré de points rouges, mais on le voit, hein, il était bleu et il clignotait. Ils viennent de le récupérer. Ça leur fait perdre du temps, ça leur fait perdre des points, tout ça. Donc nous, on pousse avec un embourbement sur leur sanctuaire de la guerre. On a une balise pour le renforcer en mixte troupe. Évidemment, tout dépend du commandant qui tient et qui défend. En général, on met du mixte troupe avec Ouzetan, mais pas que. Il y a d'autres commandants qui peuvent tenir du mixte troupe. Et donc voilà, on vient de prendre leur bâtiment et on se dirige pour accompagner nos rallyes. Et pas que nos rallyes, hein, on va aussi aller swarmer comme des porcs les villes, hein. Et comme je vous le disais, on va aller swarmer notre ami Draco. On est là, il reste 3 minutes de combat. Donc autant l'aider à rentrer chez lui, à se TP dans sa base. Nous, on est comme ça, on a le cœur sur la main. Donc vous le voyez, hein, on a déjà défié de sa défense une première fois. Elle était toute naze, il faut savoir que son martel était dehors et il défend avec martel. Donc forcément, il n'avait pas ses défendeurs de ville principaux. Donc on l'a immédiatement tabassé assez rapidement. On l'a redescendu une deuxième fois, mais plus difficilement lorsqu'il avait son martel qui était rentré au fur et à mesure. Hein. On se fait plaisir, on a toutes nos troupes qui sont là. Je trouve que ses collègues ne viennent pas beaucoup l'aider. On a un rallye qui arrive
pour taper dessus aussi. Bon, on s'est dit, il va être premier avec un tel swarming, mais non, le premier est Jalasupi chez nous. On pensait vraiment qu'il serait premier vu comment on l'a swarmé comme des porcs, mais non. Et regardez ce que je vous disais au niveau du heal, ils avaient qu'une vingtaine de joueurs qui... Il y avait qu'une dizaine, pardon, de joueurs qui avaient plus de 90 millions et donc qui avaient peu de chances de heal. Ils ont beaucoup soigné, 4 millions, 87 000 contre 302 000 chez nous. Sachant qu'on sort de KVK, hein, donc on a beaucoup moins de troupes, mais on a un serveur beaucoup plus ancien, 1256 face à 1916. Évidemment, il n'y a pas photo. Au niveau du score de tombeau, on en a posé deux, il n'en a posé qu'un. Au niveau du score d'occupation, on les a désintégrés là-dessus. Score de provision, comme d'habitude, hein, on n'est pas très fort. Mais maintenant, on n'a plus besoin de s'en soucier puisque ça va être patché. Mise à mort, pas photo. Blessé grave, c'est l'inverse des mises à mort forcément. Et unité soignée, on en a parlé au niveau des téléportations. Ils n'en ont usé que 27. Voilà pour ce match contre Draco. J'essaierai de vous laisser des gros morceaux comme ça aussi en accéléré. C'est toujours intéressant à voir pour vous. Si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Comme d'habitude, les amis, vous le savez, ça me fait vraiment très, très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Vous le savez très bien à présent. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Roque.